Lève-toi, le Seigneur. Obéis à ton intuition. Lève-toi tôt le matin. Lave-toi avec le sel et le pipi. Tu vas voir les merveilles dans ta vie. Aie confiance en toi. Je viens d'arriver à Libreville. Donc, je voulais dormir. Ils ne m'ont pas permis. Normalement, il y a des messages pour vous. Donc, si vous avez les oreilles concentrées, écoutez. Je suis à Abidjan. On a venu consoler les Ivoiriens. Apparemment, vous êtes inconsolables. Moi, j'ai rien dit. Et j'ai apparemment. Vous allez calculer. Vous êtes des femmes, vous avez vos règles. C'est les femmes qui calculent, non, quand elles sont enceintes. Vous êtes dans les calculs comment? Vous avez une femme?
Yacoub, belle famille. Ok. Concentrons-nous sur ce qu'il veut nous dire. Chasse toute mauvaise énergie. Merci pour le compliment. Merci Aïké. Je vous envoie de l'amour. Je vous envoie de la paix. Une question personnelle, et j'ai fait comment? Bonsoir. Question personnelle, c'est dans la consultation, n'est-ce pas? Anne, tu fais quoi dans mon direct? Télécharger les messages qu'on m'a donné pour vous. Donc je précise que je ne vous contacterai jamais. Il y a des scammers qui utilisent mon visage, ma photo. Il y a des scammers qui viennent prendre mes vidéos. Donc je rappelle que c'est pas moi. Je ne vous contacterai jamais en premier. Ok, je demande la présence du Saint-Esprit. Pendant que je parle, que vous receviez les réponses à vos questions. S'il y a des choses qui vous tracassent, vous puissiez recevoir vos réponses à travers ma bouche. Tu es dans ta saison de renouveau. Okay, tu es dans une saison de renouveau. Beaucoup d'entre vous, vous sentez une envie. Beaucoup d'entre vous, vous sentez une envie soudaine. Une envie soudaine. Vous sentez une envie soudaine de vous discipliner spirituellement. Avant, il y avait comme un esprit qui vous alourdissait. Mais là, vous sentez l'énergie revenir. Et vous recevez beaucoup d'inspiration. Vous recevez beaucoup. C'est comme si on versait de l'eau sur toi. Et cette eau, c'est de l'énergie, en fait. Les choses que tu savais avant, tu ne faisais pas. Tu vas commencer à les faire. Jamel, tu écris à nouveau. Mon numéro est dans ma bio.
d'entre vous, vous avez des dons de guérison. Et ces dons, vous commencez, vous sentirez des picotements dans vos mains. Certains, vous allez rêver que vous êtes en train de guérir les gens. Ça, c'est parce que vos dons sont en train de s'activer. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir vos défaillances. Avant, vous aviez... vous ne teignez pas. Donc, tu n'étais pas déterminé dans quelque chose. Mais là, tu arrives à te discipliner, tu te réveilles tôt, tu peux prier, tu pries. Donc, tu sens en toi comme une seconde chance. On me donne le mot seconde chance. On me dit aussi de vous dire que bonjour, merci Ulrich, vous êtes protégé. Vous avez une protection extra sur vous. Et ça va vous donner un courage. Tu vas sentir ces derniers jours que mince. Avant, quand je pensais à me lancer dans mon propre business, j'avais peur. Mais comment ça se fait que j'ai des visions de moi en train de... Je me vois. Et quand je me vois, je fais. Beaucoup d'événements imprévus vont essayer de vous détourner, mais cette fois-ci, vous n'abandonnez pas. Donc, tu es devenu cette personne que tu n'as pas. Donc, abandonnez même plus dans tes options. Et on montre d'ailleurs beaucoup de femmes qui seront un peu plus dans vos foyers, dans ton ménage. Tu vas être très déterminée. Ma voix ne sort pas beaucoup ce soir, Emma. Beaucoup parmi vous aussi, vos dons vont s'activer. Vous avez beaucoup de pouvoir. Vous pouvez voir le futur. Vous pouvez... Parfois, tu peux regarder comme ça, tu le lis. Tu lis quelqu'un. Et après, tu te rends compte que c'est ça. Donc, c'est un don que tu n'avais pas... n'avez pas développé. Et beaucoup d'entre vous, vous allez changer le monde. Vous étiez dans une période d'accumulation d'énergie et une période de libération. Donc tu te libérais des blocages de ta mère. Tu te libérais des blocages de ton père. Et là, tu commences à devenir beaucoup plus puissant. Votre pouvoir de guérison va devenir une conviction pour vous. Waouh, Jocelyne, tu as fait le bon officiel. Ça, c'est super. Donc, votre don de guérison va... Les gens vont venir vous dire, waouh, tu as prié pour moi, je suis guéri. Waouh, tu m'avais conseillé, le truc là, j'ai fait ça demain. Tu seras le premier milliardaire de ta famille. Premier milliardaire de ta famille. Tu vas construire un empire. Tu vas construire un empire. Tu es en train de sentir de plus en plus ces derniers temps que tu as plus confiance en ce que tu vas devenir. Tu sais que tu seras riche. Il y a un truc en toi qui te dit, tu ne sais pas comment encore. Et beaucoup d'entre vous, vous avez... vous êtes des empathes. Et vos dons sont en train de souffrir. C'est donc avant ça t'affaiblissait. Parce que je vois que si quand tu restes au milieu, la lecture de cartes, c'est 20 000. Lecture d'énergie, c'est différent. Là, j'ai mis le titre de direct lecture d'énergie, mais je n'ai pas assez d'énergie. Vous pouvez lecture d'énergie. J'ai beaucoup bossé aujourd'hui. J'ai atterri à 22h, je suis... Ça, c'est bon, ils ont exigé que je vienne faire la vidéo. Vraiment. Et au moins, ceux, 70 000 guides qui m'ont fait venir parler aujourd'hui. Donc, ceux qui donnent, c'est les guides, voilà.
Donc, comme je disais, ce don que tu avais qui faisait qu'avant, tu ne pouvais pas passer au milieu des gens longtemps. Ça va aussi te permettre de flairer. Donc, tu seras amené à être un peu seul ces derniers temps, ces prochains jours. Ne vois pas cette solitude négativement. Tu es en train de t'écouter. Tu apprends à t'écouter, en fait. Et il y a des personnes qui vont venir pour t'aider. Des personnes qui vont venir. Ton sac en train de tomber, ils portent ton sac pour toi. Et tu seras miraculeusement reconnecté avec des personnes qui t'ont vu, voulaient faire quelque chose avec toi. Et comme ça, vous êtes gâtés, ils vous ont oublié. On me dit, te dit que le sort a été brisé. Il y avait un sort que quelqu'un de ta famille t'avait lancé. Demande à tes guides cette nuit de te montrer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma famille qu'on m'avait fait? Ils vont vous montrer. Ils me disent de te dire que quand ils vont te montrer, c'est pour que tu saches que le sort est brisé. C'est pour que tu saches que le sort est brisé. Donc, beaucoup d'entre vous, dans les prochains jours, vous allez, soit un membre de la famille va venir dire, j'ai une fille qui a pris le kit de fondation, l'autre jour, me faisait un témoignage, que ça, vous êtes qui dans la famille qui est venu avouer. Peut-être sa tante, hein. Sa maman est déjà morte, mais la soeur de sa mère est venue avouer qu'on avait vendu les filles de la famille. Et beaucoup d'entre vous, vous avez la force. C'est un don, la force de briser les malédictions de votre famille. Donc tu es un peu comme Samson. Tu peux porter même 1000 personnes sur toi, dans tes prières, dans tes délivrances. Donc, tu peux parler pour 1000 personnes et les gens sont délivrés en masse. Kangoka, il y a quelqu'un qui est venu au Cameroun, il a fait les croisades, là, les crusades. And he was like, he received a lot of people. How do you call that? That man, anyway, le monsieur là. On me dit, tu dis que tu as ce genre d'énergie. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'être vu de tout le monde pour accepter. On me dit, tu dis que pour toi, tu es un peu comme le sous-marin. On est à la surface de l'eau, on ne sait pas que tu es en bas. Tes pouvoirs sont très subtils. Et il y a des moments où tu rencontres des gens, tes pouvoirs, ça s'active, tu sens comment ton corps chauffe. Parfois, quand tu m'écoutes, ton corps chauffe. Par contre, il y a des moments où tu crois que tu es une personne ordinaire. Donc, on me dit de dire que dans les prochains jours, donc ton pouvoir va multiplier, va décupler. Et les gens vont venir te dire, je veux que tu pries sur moi. Puis, d'ailleurs, tu sais que c'est toujours quand tu pries pour moi, je vais bien. Non? En fait, ces personnes viennent te confirmer ce que tu sais. C'est pas toi qui les cherches. Je suis resté chez moi tranquille. Tu es venu. Tu commences à parler. Je sais pas pourquoi on met la chanson dans l'esprit. On me dit que tu es calmement dans ton coin. Quelqu'un m'a donné ton numéro de t'appeler. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer. Voilà, tu vas devoir porter des vêtements blancs. Et beaucoup d'entre vous, vous allez mettre les courriers sur vos habits. Voilà, Vanessa qui dit, sa voisine est venue pour qu'elle prie pour elle. Et ça a marché. Vous allez devoir mettre beaucoup de... Vous allez venir... Tu vas sans cesse avoir envie d'être spirituel. Ceux qui ne connaissent pas les courriers, c'est ça les courriers. Donc, tu vas ressentir l'envie d'être spirituel. Et c'est un peu comme si tant que tu ne mets pas ça sur toi, tu ne vas pas respirer.
Je t'ai dit ça en rêve il y a 2 jours. Et je t'ai dit ça, mais je parle en direct maintenant. Blanc et le courrier. Beaucoup d'entre vous aimez le courrier, ils envoient sur vous. Vous devez aussi vous faire un lavage à distance. Il y a quelqu'un ici là, on me dit que on te dit depuis de faire un lavage à distance, mais tu durcis. Tu prends l'excuse de tes finances. Mais elle dit la même chose, qu'elle porte mes talents spirituels. Il y a aussi quelqu'un ici, tu dois payer ta dîme. La soeur s'est mise à genoux pour que tu pries pour elle. Waouh, vous avez le pouvoir. Ton oncle a volé l'héritage de ton père qui a eu un AVC. Tu as prié pour récupérer les biens de ton père. Tu vas les recevoir. Donc il y a quelqu'un ici, tu dois payer ta dîme. Tu dandines beaucoup avec ta dîme. On me dit d'ailleurs que tu dois le faire ce soir avant de dormir. Sérieux. La dîme, c'est 10%. 10% de ton revenu. Ou dans une autre dîme. En fait, l'esprit vous parle. Et quand je te parle, ça reste. Tu sens que c'est là que tu sens ça dans tes os. Je sens comment mon bras est là. Donc tu sens ça. Et tu oh goodness. La prochaine carte que je dis, tu parles avec les esprits. Oh my God. Je t'ai dit cela qu'il te parle, tu connais, non, tu sens ça. Tu parles avec les esprits. Tu sais. Tu as payé pour le lavage, tu as eu un malaise. Tu as eu un malaise. Ils t'ont bloqué. Charlie. La nuit en rêve, ma reine, j'étais lavé dans le rêve. J'espère que tu as envoyé ta photo au moins pour que je travaille sur toi physiquement. Enfin, wow. La dîme, c'est une décision. Eh mes amours. La dîme, c'est une décision. Est-ce qu'on peut avoir un direct ou une vidéo sur comment savoir prier? J'ai tellement d'enseignements sur la prière. Moi, les prières, je ne les fais pas genre... Ceux que je suis depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, vous savez exactement. J'ai plein de vidéos sur la prière. La prière, la dîme, les offrandes. En fait, j'ai tellement enseigné dessus que actuellement, j'enseigne plus trop dessus. Généralement, je vous enseigne à prier la Bible. Tu pries la parole, tu deviens la parole. C'est ça la prière. Que la parole et tes pensées et tes idées soient les mêmes choses. Pas seulement de déclarer. Tu déclares jusqu'à ce que tu deviennes, jusqu'à ce que tu penses ça. C'est quand tu vas rester, ça, tu es allé dans une ville. On dit que, ah, tu sais, les Gabonais ne sont pas gentils, les Ivoiriens ne sont pas gentils. Ah, tu dis que non. Josué chapitre 1. Tout territoire où mon pied touche, je l'ai. C'est ça la prière. Vous aimez les trucs qu'on vous dit, fais 15, je vous salue Marie. Seulement. Il y a je vous salue Marie, on le prend. Ça a la place, à sa place. You need to become the Bible. Tu as attaqué de partout. On vous dit que vous n'avez pas le sexe, vous ne l'avez pas. Donne Dieu. Bonjour. Non, mamie, le lavage physique à Douala, le prochain peut-être sera en mai. Donc, envoie ta photo, t'es là. J'ai dit que je suis en train de faire. Je vais faire pour la Côte d'Ivoire samedi. Et je vais sûrement revenir vers le 10. Février pour faire pour le Gabon. Comme j'ai fait au Cameroun l'autre jour, ça ne sera pas tous les jours. À moins que mes esprits ne me parlent. Voilà. Tu payes un lavage.
le jour où tu devais venir, tu as des problèmes. Tu tombes malade, tu ne viens pas, ma chérie. Et tu rêves la nuit que tu es lavé. Jesus. Bon, on continue. Moi, je prie juste la parole. Beaucoup d'entre vous, vous devez faire ça là. Tu dois faire un salaka. Je ne sais pas pourquoi vous. Faire le salaka, ça veut dire que tu prends 500 000 pour aller dire aux gens. Souvent, tu reçois l'esprit de marque que donne. Donne ici. Fais, mamie, fais. Ça veut dire que salaka, c'est donné. Donner aux gens qui ont moins que toi. Parfait. Beaucoup d'entre vous avez le don de chasser les démons. Et vous êtes un peu comme des soldats affaiblis. Tu as le don, mais tu ne l'utilises pas. Je n'en veux pas de rien, il faut que tu as décidé de prier pour quelqu'un. Vous devez acheter un bracelet œil de tigre. Acheter des objets spirituels pour vous protéger. On va voir le côté amour. Vous savez quoi, laissez, je vais d'abord lire comme ça. Je vais voir ce qu'ils me disent. Vous êtes en train de partir dans un nouveau, dans une nouvelle ère. Vous entrez dans une nouvelle dimension. Les choses que vous faisiez avant difficilement, vous commencez à les faire facilement. Et la richesse aussi. Vous vous voyez riche, maintenant plus que jamais. Si ton bracelet s'est brisé, achète l'autre. Vous vous voyez vraiment changer. Bonsoir, bonsoir. Vous sentez que vous êtes appelé à entrer dans une nouvelle dimension. Peut-être que tu es arrivé dans un pays où tu étais avec certaines personnes. Et là, on veut te séparer de ces personnes pour te mettre à part dans ta part d'endroit. Jean, la tête te bloque. Je suis en Côte d'Ivoire demain, je fais le lavage en Côte d'Ivoire vendredi. Dans le magasin à Bellecôte. Ma lecture. Et il me dit de te dire que tu n'atteindras jamais le statut que tu dis que tu vas avoir là en fonctionnant dans la peur. Parce qu'il me montre quelqu'un ici là que tu laisses beaucoup la peur t'influencer. Et souvent quand tu m'écoutes, ton esprit tressaille, ton corps même tressaille. Oui. Et quand tu sors du direct, tu as peur. On me dit que si tu agis sur une ou deux choses, pour la Belgique, on peut te poster. Si tu agis sur une ou deux choses que tu reçois souvent quand tu m'écoutes, tu verras que ta vie va totalement changer. On me donne le chiffre de 2 mois. Compte bien 2 et 22. Dans 2 mois, tu auras quelque chose de grand qui va se passer. Dans 22 mois, dans environ 2 ans aussi, tu vas peut-être avoir les papiers de ta maison. Tu auras tout payé. Ta maison, ta propre maison. Lily, tu parles à qui finalement? La tête est bloquée. Ce sont les mendiants qui viennent déranger les gens. Ton vestimentaire va aussi beaucoup changer. Beaucoup. Tu vas te retrouver en train de changer tes vêtements, ta garde-robe. C'est un peu comme si ton esprit veut un nouveau corps. Dans le sens que
tous les anciens trucs là, même les anciennes nourritures, ça ne te dit plus vraiment, vraiment rien. Et je vois aussi quelqu'un que tu as changé ton mode de vie. C'est pas peut-être, c'est comme si tu sautais avec un monsieur qui te faisait manger des faux trucs. Un style de vie, genre vous buvez, vous faites de l'amour. Et là, tu es en train de ressentir, il y a quelque chose qui t'appelle à aller plus loin. Tu sens qu'il faut que tu t'élèves. Et je sens comme je parle comme ça, comment tes bras commencent à chauffer, tes os font un genre. Parce que ta puissance est dans tes bras. Ta puissance est dans tes bras. Et c'est, il est temps que ta puissance s'active. Black, thank you. Il est temps que ta puissance s'active. Et on me montre en fait que ton... C'est un peu comme si quand tu es né, ta puissance était dans une petite boîte dans ton cœur. Maintenant, c'est comme si la boîte est en train de s'ouvrir. C'est un peu comme si tu es en train de briser une cage dans laquelle tu étais. Et ça ne te dérange plus de dépendre de toi-même. Tu dépends de tes idées parce que chaque fois que tu agis sur tes idées, ça te donne quelque chose. En fait, tes idées sont... Tu privilégies tellement tes idées ces derniers temps. Oui. Parce que ta puissance est en train de revenir en toi. On montre aussi que tu vas être connecté dans maximum 3 jours, 3 mois ou 3 semaines. Le chiffre va te marquer, le tien va te marquer. Tu vas être connecté à des personnes riches. Pour certains, c'est des personnes célèbres qui t'ont vu, qui ont eu peur de t'approcher depuis. Mais là, ça va se faire. Donc, un deal aussi, il y a aussi un deal que tu attendais depuis. L'argent de ça faisait comme ça. On me dit que le diable ne fait que... Mais là, on me dit que ça va. Tu le sens. Voilà. On est en train... On me dit que tu es en train de... Tu es en train de devenir ton propre prophète. Parce que ton intuition est en train de se développer tellement que beaucoup de choses que je dis ces derniers temps, tu les ressens en avance. Beaucoup. Donc, c'est peut-être comme si vers 16h tu pensais à ça. À 21h, je viens, je parle. Ton esprit est en train de vibrer maintenant avec ta vraie personne. Pour une autre personne, tu te dis que tu n'as pas encore atteint tes capacités. Tu n'as pas encore atteint 5% de tes capacités. Et je te vois aussi, tu arrives à un moment, tu vibres. Ta 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 ta. Donc avant, ta 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 ta. Maintenant, tu as te fait ta 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 ta. Donc, ta vitesse de vibration et de manifestation. Et on montre aussi que ta manifestation va être... En une journée, avant, tu avais peut-être 20 000. Il y a des jours, tu as fait 2 millions. Après, ça va monter 4 millions. Par jour. Moi, il va aller dormir. C'est quand tu te fatigues que eux ils vont prendre le dessus. Il y a des gens que tu voulais aider, tu n'avais pas l'argent. Mais tu avais besoin, tu voulais les aider. On me dit que quand tu vas recevoir leur argent, là, tu peux le donner. Tu vas comprendre que en fait tu es un vaisseau, ce n'est pas toi qui dois trouver l'argent, l'argent doit venir, tu fais ce qu'on te dit de faire avec l'argent. Tu es un peu comme quelqu'un qui on envoie au marché, que va acheter ça, tu pars, tu achètes, c'est pas toi qui finance la chose, tu n'es pas la financeuse, tu n'es pas la financeuse, tu es juste la commissionnée.
il y a des choses que tu admirais depuis que tu vas commencer à manifester. Parfois tu voyais les gens quand ils arrivaient à faire plein de choses, tu te disais que waouh, on fait ça comment? Maintenant tu es en train d'accélérer tellement même ta façon de penser. On montre quelqu'un ici là que même ta façon de penser, tu es devenue intelligente. Je crois même que quand tu étais jeune, on avait volé ton intelligence. Si c'est toi, tu le sauras. Mais là, tu es devenue tellement intelligente. Tu réfléchis vite maintenant. Souvent, tu te surprends même. Tu te dis, Et tu as aussi beaucoup de stratégies. Parfois les gens viennent te dire que waouh, j'aime quand tu me, j'aime te parler parce que tu me donnes les idées. En fait, ton don commence à devenir inévitable. Ne te fatigue pas. On me dit de ne pas te fatiguer. Cette nuit, ils vont te parler. Certains, vous allez recevoir ma visite. Il faut me donner le. J'aime même quoi là, les arachides. Je suis dit bonsoir. Te dit que les choses seront comme tu aimes. Écris cela, les choses se passent comme j'aime. Les choses se déroulent exactement comme j'aime. Nelly, bonsoir. Et beaucoup d'entre vous, bon appétit ma jolie, vous allez... Oh, il y a une idée qui est venue, c'est parti. Vous allez être dans votre mission de vie. Sans jalousie. Hein. Naturellement. Il y en a, vous avez beaucoup rêvé que vous êtes dans les airs en train de voler. Parce que votre esprit est en train de s'élever. Ton... Avant tu faisais les vidéos où tu dansais seulement. Maintenant tu vas faire les vidéos où tu vas aider les gens à guérir. Tu vas beaucoup te balader dans les rêves aussi. C'est comme si tu pars dans des montagnes pour chercher tes pouvoirs. Et c'est surtout quand tu dors sans vraiment planifier. C'est là qu'il y a de bonnes choses qui se passent. Et généralement, tu pars à la chasse dans tes rêves. Tu reviens avec ton gibier. Tu auras beaucoup de silence autour de toi. Si ta maison se vide ou bien ton gars part ou bien toi tu pars, ils vont s'arranger pour que tu sois seul. Ne te fâche pas. Profite de cette solitude. C'est un moment d'élévation.
Il y a quelqu'un ici, la maison va presser pour te marier. Ne te presse pas, ne te précipite pas. Et cette paix, il faut que tu en profites à fond. Pendant cette paix, tu as ton vrai toi qui va se remonter. Les choses que tu avais honte de l'opinion des gens avant, tu vas commencer à les faire. Surtout la spiritualité. Tu as été toujours très attiré par la spiritualité, mais tu avais négligé en même temps. Parce que tu disais que ça ne donne rien. Je fais des études, je plonge, je reviens, bye.